Salut tout le monde, c'est MC. Aujourd'hui, on se retrouve sur Kitty qui est juste là. Ça fait plaisir pour de vrai. Du coup, let's go. Kitty, c'est un jeu qui ressemble à Granny et Piggy, Bacon. Je ne sais pas qui, lui, l'autre là-bas. Voilà quoi. Vous avez compris. Et du coup, let's go. Nous, on va y jouer tout de suite. C'est parti. Ouais, ça fait plaisir pour de vrai. Donc, j'ai jamais joué à ce jeu, hein, je vais pas vous mentir. Du coup, on va aller dans le shop pour voir un peu ce qu'il y a. Ah ouais, il y a un skin qui est plutôt stylé hein, pour de vrai. Kitty, ah, c'est lui, Kitty. Ah, ok. Ah, c'est en cube. Ah ok, c'est en cube. Apparemment, les trucs, ils devraient être en cube dans ce jeu. Ok. Donc, c'est qui lui? Ah, mais on a des bonus ou quoi? Ah, reçoit x1,2 de fromage et tout. Quoi? Sérieux? Ok, après, on doit les payer avec des fromages, hein, ça. Voilà, lui, il faut le payer avec 500 fromages, par exemple. Ok, ok. Bon, apparemment, il y a des harpons aussi. Ça, c'est une botte de baseball. What, pourquoi il y a une table? Pourquoi il y a écrit c'est une table? Il y a bien écrit c'est une table, là. Mais c'est ultra chelou, ça. Là, il y a une batte de baseball. Ouais, voilà. Il y a un balai. Ok, on peut pas encore aller voir, on doit déjà acheter les autres trucs. Ah ok, ça c'est bien fait comme concept. Pour de vrai, on doit aller acheter chacun leur tour. Voilà. Bon, après il y a Hammer, Fire, oh, ils sont partis dans un autre délire. Bon, ça c'est un club. Un club, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est aussi une boîte de baseball, non, un club. Ça, ah, il y a aussi des emotes. Genre on le boxe comme ça. Ah, on peut être des souris et... un chat, ah oui, mais c'est stylé ça pour de vrai. Ah, mais il y a des emotes de fou en fait. 12 000. Ok, genre tu danses. Je... ok, je vois. Et le chat, c'est quoi son emote final? Ok, plutôt basique, mais ouais, ok. ok, ok. Ouais, let's go. Non, on va commencer tout de suite sans plus tarder. C'est parti. Ah, on peut aussi jouer tout seul en fait. On va jouer avec les autres, bien sûr. Deux parties plus tard. Ok, let's go. Cette fois, on va gagner, les gars. C'est parti. Vas-y, chapitre 2. Zébardi. Bon, on va encore faire pleurer. ok, et c'est Wax Uzumaki. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, c'est club, Wax Uzumaki et player. D'accord, d'accord. Ok, c'est parti. Nous, on doit prendre quelque chose. Bah oui, parce que on peut pas commencer sans rien. Bah oui, monsieur. Donc, je peux prendre la clé. Vas-y. Ok, bon, je vais prendre ce triangle d'Illuminati, hein. il est là, il est là, il est là, monsieur. Oh, 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 ce que je lui ai fait là, oh là là, c'était beau ça, qu'est-ce que c'était beau. Je pense que je dois monter encore plus. Toujours plus loin, toujours plus haut. Eh ben voilà, c'est là, on doit appuyer sur eux. Eh voilà, on doit le prendre en main et appuyer en fait dessus. Ok, je vois, bon c'est parti, on ouvre ça, ici on a besoin, bah oui. Bah oui, du cutter. Quoi? Ah, ok, il avait mis ça, du coup il a ouvert ça. Et attendez, si je referme ça. Non, je peux pas refermer ça. Et en haut, on a besoin de quelque chose pour le câble. Allez, là aussi, on a besoin de quelque chose. Ouais. Besoin de quoi pour ouvrir ça? Un premier mystère. C'est un jour où il faut bien se concentrer pour de vrai. ouais. Ah, ok, et là, il y a quelque chose là en haut dans cette cage. Comment on ouvre la cage? Ok, on a besoin du cutter. Le cutter, ça sert à beaucoup de choses. Là, il y a ça, c'est vrai. Les gars, vous faites quoi? Il faut vous réveiller, là. Moi, je peux pas faire 10 mottes parce que j'ai rien. Ah, bah, venez, je vais prendre ça. Je sais pas, ça peut servir. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire avec, déjà? De passer pas à côté de la télé, là. Un truc comme ça. Ah, mais ils sont coincés, en fait. C'est pour ça que je n'étais pas là depuis avant. J'ai besoin de quelque chose, en fait, pour les libérer. Je sais pas, c'est où. Ah, ok, en fait, les trois trucs, ça sert à ça. Et il nous reste un triangle, je pense. Ok, on a besoin de la clé jaune ici. Ah, j'ai la clé noire. Vous savez quoi? On va jeter ça. On va prendre la clé noire. La clé jaune aussi, je sais que ça sert à juste ici en fait. Ouais. Comment je peux les libérer? Je peux pas les libérer pour l'instant. J'ai pas de trucs. J'ai l'air tellement malheureux. ok, je prends la clé. Ah, bah voilà, il sert à ça en fait. Ok, je prends. Je le mets. Et ça fait quoi après? Ah donc c'est bon, ça fait le rouge. D'accord. Ah, on doit faire plusieurs couleurs, sérieux. Ah mais il y a en haut aussi et aussi ici. Bah ouais, ici on a besoin d'un énergie truc. D'un truc d'énergie en fait. Et en haut, on a aussi besoin de quelque chose mais je ne sais même pas si... Pas rentrer dans la télé encore. Je pense que je vais aller débloquer l'autre truc qui est juste là quelque part normalement. Non, c'est pas là. Bah oui, ça doit être en haut, ça doit être en haut. Ça doit être en haut. Du coup, on va aller en haut. C'est parti. On va vers là-bas. Ok, ça doit être ici, là, je pense. Voilà, clé noire.
Bah c'est bon. Je sais pas ce que j'ai déverrouillé, mais j'ai déverrouillé quelque chose en tout cas. Ah ok, je sais. C'est quoi ce que je viens de débloquer là? Je sais ce que je viens de débloquer. Ah c'était ça, oui. Oui voilà. Attendez, je vais jeter cette clé vu qu'elle me sert plus à rien. Je vais prendre ça. Ça il faut désactiver ça bien sûr. Nope. C'est comme ça? Non c'est pas comme ça. Ah mais c'est en haut peut-être qu'il faut le désactiver. Ah bah voilà c'est là. Ok c'est bon j'ai coupé le fil. Ou le fil j'étais bien foutu. Je dis ça je dirais. Ok c'est bon. Maintenant il y a l'énergie core juste ici. Je vais allumer cette porte et celle-là aussi. Allumer hein. Ah bah j'ai bien dit allumer. C'est incroyable. Comment j'ai déverrouillé aussi là la porte pour les autres? Je me demande bien. Mais comment je vous aide moi? Je sais pas. Je sais pas comment vous aider. Je les aiderai mais juste après. Hein. Non, non, non. Il est juste là. Il est juste là. Il est là. Ok c'est bon, je vais par là. Je vais par là, au moins il ne m'a pas eu cette fois. On a besoin d'une clé rose aussi. Qui a la clé rose? Ah oui, il est en haut le câble là. Je devais enlever. T'es en haut en fait. Tous les trucs principaux c'est passé en haut. À part la porte principale. Et là il y a quelque chose qui se drop. C'est quoi ça? Ah c'est l'électricité là. Fallait la mettre où ça déjà? Ah mais c'était en haut ça, je m'en souviens. Mais il faut déjà quelqu'un qui a la clé rose. Qui a la clé rose? Ah mais ils les ont libérés. Ok super. Ok, mais on a besoin de quelque chose ici. D'un carré bleu, d'accord. Après, les Illuminati, c'est des carrés bleus. Ok, oui. Prends la clé rose. Non. Mais comment il a fait pour aller là-bas? Ah, mais sérieux? C'est si simple que ça. C'est si simple que ça, je le savais pas. Bon, allez, on va prendre la clé rose. C'est parti. Mais il est juste là. Ah bah, merci le gars. Parce que sinon, j'aurais pas su comment y aller. De sitôt. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, je dois juste mettre ça. Et c'est bon, j'ai déverrouillé la porte principale, super. Allez, ça fait plaisir, on y va. Ah mais non, il est coincé. Non, non, Furious Jumper. Oh non. Comment je dois faire pour le sauver? Ouais, mais pourquoi ça brille comme ça, juste, hein? Ah, on a réussi. Ah, ok, on devait juste le mettre là. Eh, mais je pensais qu'il fallait rentrer dans la télé, sérieux. Ah, mais du coup, j'ai pas sauvé Furious Jumper. Oh non, désolé. Quoi, Kitty, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas tomber dans ton piège. Regarde, c'est un traître. Ok. Mais je crois qu'il l'avait piégé en fait en accès dans le levier. Où est-il passé? Eh, hey, par ici. Quoi? What? C'est quoi ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de punch ou what? What? Je n'ai pas compris là. Je suis sûr qu'il vient de punch. Je dois trouver Pinky. Il y a une dimension de télé, sérieux? Où peut-il être Pinky? Ah, voilà, il est là. Ninja Mega Sensei, on a réussi à trouver. Oh non, mais non, je devais prendre. Je devais reprendre Pinky. Et il y a le chat qui est arrivé avec nos amis dans Penny Pig. Du coup, ça veut dire que le prochain chapitre, ça sera ça. Sérieux. Penny Pig. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais pour de vrai, c'est bien. On a gagné 450 parce qu'on a gagné en fait. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut acheter ça avec ça? On peut pas encore acheter un chat. Ah bah si, vu que j'ai déjà ça. Nous, on va tout simplement acheter ce chat là. Blue Kitty, ouais. C'est parti. Ok, super. On a débloqué Blue Kitty. Donc le prochain, c'est quoi? C'est Kitty Punk. Ah, c'est Kitty en mode punk. Ah oui, ok. Avec une petite crête là, je vois. Il y a une petite crête. On la voit pas trop, mais il y a une petite crête. Croyez-moi. Kitty Explorer, Kitty Cool. Kitty Ninja, ah ouais, Kitty Chef, Kitty Police, Kitty Lucky, ok, Kitty Knight, Kitty Robot, Kitty Académique, Kitty Travailleur, Kitty Voleur, Kitty Alien, sérieux, ah ouais, ok, ah mais il y a des codes Twitter en plus, ah oui les gars, c'est vrai qu'on peut aussi acheter les souris, les mouse, ah oui, j'avais oublié, mais je pense que c'est plus rentable hein, d'acheter les mouse, pour de vrai. Au maximum, il multiplie par 9,5 et lui par 6. Ouais, non, je pense que le mouse c'est meilleur pour le vrai. Je dirais acheter le mouse, mais bon, au moins on a Kitty. Ça fait plaisir. Donc, les codes, je vais vous les mettre juste ici. C'est parti. Donc, on a CH2 open. Voilà comme code. Du coup, on fait Enter et on gagne. Waouh! Mais c'est quoi ça? On a gagné 4500. 4500 fromages. Bon bah du coup 4500 fromages en mettant ce code, d'accord. Après il y a aussi IJIS Gab Studio. On écrit ça, on fait Enter. Et on gagne encore plus de fromages. Sauf qu'on en gagne 2000 cette fois. Ok, bon bah du coup c'est super pour de vrai. Après il y a aussi quelque chose d'autre, c'est Redro 3 qui est juste ici. C'est parti. Voilà, là on a gagné je pense environ 1000. Ouais 1000, ouais on a gagné 1000. Il y a aussi Tinen QA, voilà, je pense que c'est ça. Attendez, on va voir. Eh ouais, c'est ça. Du coup, on gagne encore 1000 avec ça. Ça a eu super plaisir. Mais regardez ces codes. Mais ça donne masse fromage.
C'est clairement le cas. On gagne masse fromage avec ces codes. Et bon, bah voilà, c'est tout pour les codes. Ça fait plaisir pour de vrai. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment très très plaisir. Des petits codes comme ça qui nous donnent des fromages. On ne refuse pas. Attendez, j'ai aussi essayé un autre code. Peut-être release, ça marche toujours. Non, release, il n'y a pas. Apparemment, il n'y a pas. Après, les gars, j'ai encore oublié quelques petits codes. Voilà. Il y a aussi new code. Ça fait plaisir. Ok, let's go, ça nous donne environ 5000, je pense 4000 ou 5000, je ne sais pas trop. Après, il y a aussi cerceau, voilà, c'est un petit cerceau là, tu vois, qu'on enroule. Ouais, après on gagne 1000 avec ça, ça fait plaisir. Morta de là, très bizarre comme code. Et non, il n'y a pas ça. Ah non, Mortadella, finalement, il a outdated, finalement, voilà quoi, il est expiré. Du coup, voilà, c'est tous les codes pour l'instant, hein, bien sûr, pour le jeu Kitty, ça fait plaisir pour de vrai. Bon, bien sûr, si vous regardez la vidéo un peu plus tard, ces codes ne marcheront pas, c'est dommage, mais bon, c'est ça. Et du coup, let's go, bah, nous, on va acheter des petits mouse, ouais. Donc let's go, on achète lui, bah venez, on achète chacun leur tour parce que bah on peut pas faire autrement tout simplement. Let's go, 500, on a acheté mouse albino. Après on achète mouse builder. Ah oui, ok, d'accord. Après il y a mouse hood, on dirait pas Peter Pan. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais on dirait pas Peter Pan pour de vrai. Ok, let's go, on l'achète aussi et finalement on va acheter le mouse docteur, c'est parti. Bon, je pense pas qu'on peut l'acheter, lui par contre. Ah oui, 11 000. Ah oui, sérieux, 11 000. Mouse toxique. Ah bah d'accord. On va aussi acheter Kitty Punk. Donc on peut se porter. Et ouais, c'est ça qui est ça, hein, voilà. On les a eu. Donc on va juste un peu tester. Waouh, le docteur. Oh, il est stylé pour de vrai. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi ce BG. Et bon, bah voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Voilà. Et sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous. Ciao à tout le monde et peace.